Saint et bienvenue à l'Église Le Portail en ligne, je me présente Simon Archambault, pasteur à l'Église Le Portail. Si tu nous écoutes pour la première fois, permets-moi de te présenter notre église en une minute. L'Église Le Portail, c'est une église mais représentée sur pas moins de quatre sites. Laval, Terrebonne, Saint-Eustache, Abitibi et Dieu volant pour Pâques 2023, nous ouvrirons un cinquième site situé à Montréal-Nord. Notre mission est la suivante, aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors si tu désires en savoir plus, je t'invite à visiter notre site internet www.égliseleportail.com ou bien notre page Facebook afin de connaître notamment nos différentes heures de réunion, adresses et les endroits où tu peux trouver nos sites. Notre Église offre différentes activités hebdomadaires. Nous avons notre service CLIC pour les enfants jusqu'à 12 ans, tenu par des bénévoles qualifiés, et ce sur tous nos sites lors de nos réunions. Notre ministère Accès pour les ados ou Portage Jeunes adulte pour les jeunes adultes se retrouve normalement les vendredis soirs à 19h30. Vous pouvez suivre l'horaire des activités sur les différentes pages Facebook respectives, accès pour les ados et PGA pour les jeunes adultes. Aussi, nous avons des petits groupes qui se réunissent en semaine afin de partager la parole de Dieu et prier ensemble. Vous pouvez écrire à notre équipe de petits groupes à petits groupes avec un S à commercial. Finalement, nous sommes rendus au temps du message, car nous partageons la bonne nouvelle de Jésus à chaque semaine à travers nos prédications. Alors, sans plus tarder, écoutons cette bonne nouvelle aujourd'hui. Bon matin, Église de Portail! Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Oh, Gloire à Jésus! Si vous aviez été présent parmi nous, je suis convaincu que j'aurais entendu votre voix retentir. D'où que vous soyez, nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis content, béni, privilégié d'être avec vous. Je veux encore le faire, ça fait plusieurs fois que je le fais déjà, mais je veux vous stimuler, vous solliciter, presque vous implorer de revenir à la maison de Dieu. Revenez à l'Église, que ce soit Abitibi, que ce soit euh, Saint-Eustache, que ce soit Terrebonne, que ce soit Laval ou que ce soit Montréal-Nord. <laughs> non, pas encore Montréal-Nord, mais. Soyez des nôtres, soyez des nôtres le 16 novembre prochain alors que nous aurons une soirée d'information pour vous tenir un peu au courant des développements pour répondre à des questions-réponses euh, si vous avez de l'intérêt. Si vous avez de l'intérêt, merci de vous joindre à nous, ça ne vous engage à rien, ça veut tout simplement dire que vous êtes curieux de voir comment l'œuvre de Dieu avance. Cela dit, j'en profite également pour vous dire merci. Merci. Merci, bon, tout d'abord à Jésus qui permet à son Église d'avancer. Merci au leadership de l'Église de me permettre de vous apporter la parole de Dieu. Merci aux membres de votre confiance de m'écouter. À vous qui nous visitez, merci également d'être connectés avec nous. Et aussi, particulièrement, merci à tous ceux qui ont contribué à notre projet 300-300. Nous sommes rendus à la moitié de l'objectif et nous sommes encouragés. Alors que nous sommes dans une série qui s'intitule Perspectives, alors que nous voulons étudier hein, la grande question des perspectives, ce matin, notre message se, pose, se, se porte directement peut-être dans les contrées de Montréal Nord. Le titre du message, c'est Dieu se préoccupe-t-il de moi? Alors que certains ont dit toutes sortes de choses sur la communauté nord-monréalaise, alors que toutes sortes de rumeurs circulent. Bien évidemment, nous ne sommes pas dupes, ni nous ne, nous ne sommes pas dans le déni pour croire qu'il n'y a pas de violence à Montréal-Nord. Certes, ce n'est pas ce qui définit Montréal-Nord. Et nous croyons, nous sommes persuadés, convaincus, que Dieu se préoccupe de Montréal-Nord. Que Dieu continue d'écrire au sujet de Montréal Nord. Que la perspective de Dieu n'a pas changé à l'égard de Montréal Nord. Joignez-vous à nous dans ce projet. Embarquez avec nous. Alors que nous ne voulons pas aller changer Montréal Nord. Nous ne voulons pas aller créer Montréal Nord. Nous voulons simplement, humblement, nous joindre à l'œuvre de Dieu à Montréal Nord. Parce que si vous le croyez comme moi, on peut déjà dire Amen à tout ce que Dieu fait à Montréal Nord. Et donc, merci pour vos prières, votre soutien, votre générosité, votre confiance. Merci infiniment. Comme je le dis, le titre du message ce matin, c'est Dieu se préoccupe-t-il de moi? Et j'aimerais qu'on étudie, j'aimerais qu'on regarde à trois pistes de réponse. J'aimerais qu'on regarde au passé glorieux de Job. J'aimerais qu'on regarde à la misère actuelle de Job et au plaidoyer final de Job. Tournez avec moi et pendant que vous le faites, permettez-moi de prier. Ô bon Papa du ciel, nous nous tenons humblement. Devant ta sainte présence. Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ils viennent comme des explorateurs et des exploratrices. Toi, tu avais prévu d'avance leur présence. Merci de te révéler ce matin. Parle, tes enfants écoutent. Le premier point de la matinée, si vous tournez avec moi, on est dans Job 29, alors qu'on va regarder à Job 29, 30, 31. Je vais lire à partir de la Bible Louis II, Colombe, et vous allez voir les, les versets au bas de votre écran. Et on ne va pas regarder à l'entièreté des, 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 des versets, parce que sinon nous serions là pour quelques minutes, mais on va regarder <laughs> à quelques passages clés qui viennent vraiment mettre en évidence le poème de Job. Alors qu'on a vu euh, la semaine dernière où se trouve Dieu au milieu de nos souffrances, ce matin, on regarde si Dieu se préoccupe-t-il de nous. Après avoir parlé avec les trois amis un peu impétueux, les trois amis un peu insensibles, si vous êtes d'accord avec moi, de Job, Job prend la parole et il se lance. Je lis pour vous Job 29, 2 à 5, 12 et 13, 24, 25. Oh, que je ne, ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand il faisait briller sa lampe sur ma tête et qu'à sa lumière je m'avançais dans les ténèbres, tel que j'étais au jour de ma pleine maturité, quand Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes jeunes fils m'entouraient. En effet, je délivrais le malheureux qui implorait de l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je leur souriais, ils n'y croyaient pas. Ils ne pouvaient faire disparaître la lumière de mon visage. Je choisissais d'aller avec eux et je m'asseyais à leur tête. Je demeurais comme un roi au milieu d'une troupe, comme celui qui console les affligés. Le premier point s'intitule ⁇ Pourtant moi, et pourtant moi, je me préoccupe des autres et de Dieu. On pourrait donc reprendre en disant que le premier point, en réponse à ⁇ Dieu se préoccupe-t-il de moi ?⁇ et pourtant, moi, je me préoccupe de la veuve, de l'orphelin et de Dieu. Ça n'était jamais arrivé, ça D'être dans la posture de Job et de souffrir injustement. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu avec Pasteur Guétan le prologue, hein, lorsqu'on a commencé cette aventure il y a quelques semaines, il était question que Job était quelqu'un de juste et droit. Et c'est comme dire qu'il ne méritait pas la souffrance dont il était victime. Oui, parfois, il peut nous arriver de souffrir pour notre péché. Regardez par exemple David avec le cas de Bathsheba. Il peut nous arriver de souffrir pour le nom de Christ. C'est ce que Jésus dira à ses disciples, qu'ils seront persécutés à cause de son nom. Il peut arriver que nous souffrions pour des raisons de croissance. La souffrance produit une croissance spirituelle. Mais ici, dans le cas de notre cher Job, il est injustement accusé. Et Job regarde au jour d'antan, jadis, lorsque tout coulait à flot. Trop souvent dans un carcan légaliste, dans une approche légaliste. Qu'est-ce que le légalisme C'est cette idée de la loi. La loi, la loi, la loi, la loi qui surpasse tout. Faire, 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 ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire. Et trop souvent dans cette approche, nous croyons que nos œuvres nous justifient devant le visage de Dieu. Regarde comment moi j'ai pris soin de mes voisins. J'ai récemment eu une discussion avec un individu, puis. L'individu mettait de l'avant comment lui avait tellement fait. Puis c'est comme ça qu'il se faisait remercier. On aurait pu croire entendre la voix d'un job moderne. Trop souvent, ça nous arrive de comparer à ce que nous faisons, les BA de notre vie, les bonnes actions, pour essayer de plaider avec Dieu. Nous croyons trop souvent que c'est par les œuvres que nous, que nous obtenons le salut. Nous croyons trop souvent que le salut par les œuvres nous mène vers le chemin de l'exemption de la souffrance. Nous croyons trop souvent que la vie avec Dieu est une montagne perpétuelle, qu'elle est exempte de vallées, de ravins. Trop souvent, nous pensons. Au retour des jours bénis. Ah, comme nous étions bénis. Et le problème, chers amis, ce matin, que nous faisons face, vous et moi, c'est que trop souvent, nous voulons retourner aux jours bénis. Trop souvent, nous voulons retourner aux situations d'antan, aux perspectives meilleures. Trop souvent, nous voulons avoir ce que nous avions à une autre époque. Mais notez avec attention comment. La première chose dont Job se souvient, ce ne sont pas ses richesses. La première chose dont il se souvient, c'est sa communion avec son Dieu. Hein? On peut le faire dans l'analyse du texte lorsqu'on regarde les premiers versets. Au jour où Dieu me gardait, qu'il faisait briller sa lampe sur ma tête. Hmm. J'ai une question pour toi ce soir, ce matin. <laughs> J'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu vis ta foi lorsque tu es dans l'abondance? Comment est-ce que tu vis ta foi lorsque tu es dans l'abondance? Et lorsque tu es dans l'affliction, comment vis-tu ta foi? Job nous montre ici au verset au chapitre 29 qu'il vivait sa foi avec générosité. qu'il donnait sans considérer. qu'il aimait sans retenue. qu'il était au service des autres, des plus démunis, des plus vulnérables. J'aime quand il parle de la lampe qui brille ça me fait penser à une parole que Anne Frank a dit au 20 e siècle elle a dit Notez comment une chandelle peut à la fois défier et définir les ténèbres hmm. Notez comment une seule chandelle peut à la fois défier et définir les ténèbres. N'avez-vous jamais remarqué lorsqu'il fait noir dans un endroit et que vous allumez ne serait-ce qu'une bougie, supposons qu'il n'y avait pas d'électricité, comment elle éclaire une parcelle d'espace et qu'elle définit ce qui est dans les ténèbres et ce qui est dans la lumière. J'aime comment la parole nous dit que Jésus est la lumière du monde. J'aimerais t'encourager à persévérer. J'aimerais t'encourager. À continuer lorsque ça va bien. Persévère, non pas dans l'accumulation de richesses ou dans la comptabilisation d'œuvres, mais dans ta foi avec Jésus. J'aimerais t'encourager à persévérer. Récemment, J'étais en jeûne et prière et lors de mes dévotions quotidiennes, je, je lis la Bible cette année d'une façon que je ne l'avais jamais faite auparavant. Ré, habituellement, je la lis toujours de manière canonique, c'est-à-dire de Genèse à Apocalypse. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller de manière alphabétique. C'est quand même assez intéressant. Et je suis rendu à la lettre L. Je suis en, je lis présentement Luc. Et alors que j'étais en jeûne et prière, je lisais euh, le, le livre de Luc et j'étais Comment dirais-je Touché de relire le texte de Luc 4 sans savoir qu'il s'appliquerait très bien à notre texte ce matin. Luc 4, je vous le lis, bien qu'il n'apparaisse pas sur vos écrans. Mais voici ce que Luc 4 a à nous dire. L'historien Luc qui écrit et nous dit ceci. Au verset 18, ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. ⁇ Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. ⁇ Cher ami, je veux t'encourager à persévérer. Jésus s'occupe. De toi. Je sais que la question ce matin c'est Dieu se préoccupe-t-il de moi et nous y arriverons. Mais Jésus s'occupe de toi. Il te délivre de tes ennemis. Il te renvoie libre si tu es opprimé. Il te donne la vue si tu es aveuglé. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. En Jésus, tout est bien. Oui, ne regardons pas aux œuvres d'avant. N'aspirons pas au jours bénis. Mais plutôt, recherchons avec zèle et passion la seule bonne œuvre qui compte, la seule bonne œuvre qui n'est jamais comptée, l'œuvre de Jésus le Christ à la croix. Appuyons-nous sur la personne de Jésus. Il est un meilleur Job. Notez comment au verset 25 du chapitre 29, il est question qu'il était comme un roi. Jésus est le roi. Allons un peu plus loin peut-être avant d'aller à notre deuxième point. Regardons ce qu'Apocalypse 2, hein, lorsque l'Esprit parle à l'église de Smyrne. Regardons ce que Apocalypse 2, verset 10, a à nous dire ce matin. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il y a quelqu'un ce matin qui doit entendre cela. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle, sois fidèle, persévère jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Dieu se préoccupe-t-il de nous C'est la question que nous voulons répondre ce matin. Allons voir encore plus loin, au chapitre 30. Le titre du point, c'est Quand aujourd'hui ne ressemble en rien à hier. Quand apprends subitement qu'un membre de ta famille est aux prises avec une maladie terminale, quand apprends subitement que ton époux ou ton épouse veut le divorce. Quand tu apprends subitement que dans une décision d'une fraction de seconde, ton enfant, ton adolescent, ton jeune adulte a été embarqué, arrêté par la police. Quand, drastiquement, une situation de santé mentale fait éruption dans le foyer. Un élément déclencheur non attendu. Quand l'entreprise bat de l'aile, quand la faillite est au coin de la rue, quand aujourd'hui ne ressemble en rien à hier. Hier, tu avais le vent dans les voiles. Aujourd'hui, ta as l'âme amère. Job veut plaider. Job veut ne comprend pas. Job se pose la question, peut-être comme toi ce matin, comment Dieu peut-il être à la fois bon et me punir ainsi, moi qui ai tout donné Quand as l'impression que le train de cinq heures vient de te percuter. Laissez-moi vous lire. Les paroles de Job. Vers, chapitre 30, verset 19 à 24. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je t'appelle au secours et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout pour que tu fasses attention à moi. Tu deviens cruel contre moi. Tu m'attaques avec la vigueur de ta main, tu m'emportes sur le vent, tu me fais chevaucher et tu me fais frémir au fond de moi-même. Car je le sais, tu me mènes à la mort au lieu de rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr, n'étend-il pas les mains Celui qui est dans, la, dans le malheur, n'implore-t-il pas du secours Comment un Dieu bon peut-il tolérer la souffrance? Comment un Dieu bon peut-il expliquer la crise syrienne? Comment un, un Dieu bon peut-il expliquer la pandémie? Mondiale. Comment un Dieu bon peut-il expliquer les attentats du 11 septembre 2001? Comment un Dieu bon peut-il expliquer l'Holocauste juif? Comment un Dieu bon peut-il expliquer le génocide rwandais? Comment un Dieu bon peut-il expliquer les guerres Boko Haram? Comment un Dieu bon peut-il expliquer que des mariages chrétiens soient séparés? Comment un Dieu bon peut-il expliquer la mort de bébés mornés? Comment un Dieu bon, comment un Dieu bon, comment un Dieu bon peut-il nous punir? Justement, Dieu se préoccupe-t-il de nous? Et j'ai cherché, j'ai parcouru pour vous fournir une piste de réponse. Et la seule qui me soit venue, c'est la suivante. avez-vous remarqué l'absence de réponse de dieu? Hein? peut-être que job pense que dieu est pris au dépourvu qu'il ne peut pas répondre. et j'ai l'impression qu'ici que le problème c'est que trop souvent nous ne comprenons pas suffisamment bien le silence de dieu. Et au cours des prochaines semaines, nous allons continuer notre étude du livre de Job et nous allons voir que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais pour ce matin, concentrons-nous sur ce que nous savons, de l'image de celui qui est notre Maître à nous qui avons choisi de le suivre, Jésus le Christ. Concentrons-nous sur ce que nous savons. Il y a une scène dans les évangiles qui nous est racontée d'un groupe de disciples qui étaient sur l'eau avec leur maître, la personne de Jésus-Christ. Et Jésus dormait dans la barque. Et les épreuves se sont mises à bardasser. C'était des épreuves climatiques, hein, comme on peut connaître dans certains pays comme la Thaïlande ou d'autres pays. Je pense récemment, il y a eu des ouragans dans des pays de la Caraïbe. Et les disciples sont effrayés, apeurés, réveillent le maître qui dormait parce qu'on ne l'entendait pas, c'était silencieux. Le maître s'est réveillé et qu'a-t-il fait Vous avez raison. Il a calmé les vents et la tempête. Mais il ne s'est pas retenu de vouloir... Forger le caractère de ses bien-aimés. Récemment, j'étais à l'église et j'ai vu quelque chose qui dit Dieu et vous l'avez sûrement entendu de la part de notre pasteur principal Guétan. Il, il dit Dieu ne, 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 ne pr... Dieu n'empêchera jamais ce qui te rapprochera de lui. Constatez comment la misère présente de Job, produit le même effet que le péché de David. Tous deux veulent se retrouver aux pieds de Dieu. Tous deux veulent implorer une réponse de la part de Dieu. Quelles sont tes requêtes de prière aujourd'hui? Quelles sont tes requêtes? Tu peux l'écrire, écris-le, écris-le. Si tu n'es pas confortable de l'écrire dans le clavardage, tu peux nous envoyer des requêtes de prière à l'adresse suivante requête à -le Ou encore, tu peux nous écrire sur la page de l'Église. Tu peux nous téléphoner à l'Église au 450-628-6000. Tu peux envoyer tes requêtes de manière anonyme. Peut-être que tu tiens un journal, je veux t'inviter à faire l'exercice maintenant d'écrire quelles sont tes requêtes. Quelle est la misère présente aujourd'hui dans ta vie? Quel est le deuil auquel tu fais face? Job va dire un peu plus loin, car j'espérais le bonheur et le malheur est venu. Job va dire quelque chose, il va dire, celui qui étend les mains hein, pour, pour le secours. Un peu plus haut, il va dire quelque chose d'autre, il va dire, tu m'attaques avec la vigueur de ta main. Et je n'ai pas pu m'empêcher, cher ami, ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec ce Jésus que j'aime. N'était-ce pas Jésus? Qui s'est posé la même question que nous ce matin, alors qu'il était cloué. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être qu'on pourrait paraphraser, peut-être que Dieu, Jésus, se demandait, mais pourquoi ne te préoccupes-tu plus de moi? J'avais une renommée en Galilée. Je guérissais les malades, j'envoyais les disciples, j'arrêtais la tempête, je multipliais le pain. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais figurez-vous que contrairement à Job, Jésus n'était pas dans la complainte. Lorsqu'on regarde au psaume, les psaumes qui sont des chants et des hymnes, le psaume 22, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme si Jésus chantait au milieu de sa souffrance. Cela veut-il dire que Jésus nous appelle à être sadiques? Cela veut-il dire que Jésus nous appelle à aimer la souffrance? Non, mais il nous appelle à embrasser la grâce de Dieu qui surabonde la tristesse de nos douleurs. Il nous appelle à embrasser la grâce de Dieu qui surpasse nos aléas. Il nous appelle à embrasser la bonté et les miséricordes de Dieu non épuisées devant le visage triste de la mort. Jésus nous invite à chanter. Récemment, j'écoutais un un, un un coach de motivation. Puis il parlait avec un groupe d'étudiants, puis il racontait cette histoire que je m'apprête à vous raconter. Puis je vais essayer de faire un parallèle pour nous ce matin parce que je suis soucieux de ce que tu vis. Je suis soucieux de ce que tu vis. Je m'intéresse à ce que tu vis. Je me préoccupe de la manière dont tu interprètes ce que tu vis à la lumière de Jésus-Christ. Puis il raconte l'histoire comme ça, puis il dit... Il y a un jeune homme qui voulait avoir du succès financier. Il rencontre un gourou, un, un magnat des, de, des finances, puis il dit hey, Écoute, j'aimerais faire affaire, je veux devenir aussi populaire que toi, je veux devenir aussi riche que toi, dis-moi comment. Le gourou lui dit T'es sûr Il dit Oui, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Il dit Ok, pas de trouble. Demain matin à 4 heures, on se rencontre à la plage. Okay. L'endemain matin arrive, le type il se prépare avec son beau sou, met sa cravate, beau pantalon, beau soulier neuf, super fringant, petite démarche, il se présente, arrive à la plage, il est prêt pour son cours 101 sur comment devenir riche. Tu me suis? Et là, <laughs> à sa grande stupéfaction, l'individu est dans l'eau, en short, pas de chandail. Le jeune homme se dit hey, « qu'est-ce qui se passe? » Le type lui fait un signe « Viens! » Le soleil n'est pas encore levé. Le jeune homme, il se présente, il va. Il rentre premier pied, c'est un peu frais. Il dit comme « Qu'est-ce que je fais? » Il va, il continue. Il continue, il continue, il continue. Il arrive à la hauteur du gros, plus gros du vas-y. Il dit hey, « mais quoi? » Il dit « Tu veux devenir riche, non? » Il dit « Oui. » Il dit « Continue, vas-y. » Il va... Le gourou s'approche aussi, il arrive. À un moment donné, l'eau arrive presque ici. Le gourou prend la tête du jeune homme et il la plonge dans l'eau. Plonge dans l'eau. Plonge dans l'eau. À un moment donné, le gourou commence à sentir, le, le, c'est-à-dire l'homme riche commence à sentir que le jeune va, va manquer d'air. Il le relève. Il dit, pendant que tu étais sous l'eau, au dernier moment, qu'est-ce que tu voulais réellement Qu'est-ce que tu voulais réellement Je voulais respirer. Puis là, il va faire une application qui est loin de mon message ce matin, mais il va dire tout autant que tu voudras pas réussir, autant que tu veuilles respirer, ça ne marchera pas. Mais le message aujourd'hui, c'est pas, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais c'est tout autant que tu ne voudras pas te rapprocher du sang de la croix de Jésus, de son œuvre et de sa personne, tu ne pourras jamais surmonter tes souffrances. Tout autant que tu ne voudras pas te rapprocher de Jésus, autant que tu veuilles respirer. ça ne pourra pas fonctionner. À quel point désires-tu te rapprocher de Dieu La vraie mesure de l'amour de Dieu pour toi, ce ne sont pas les circonstances des jours passés, ce n'est pas le passé glorieux, c'est plutôt ce que Jésus a vécu et fait à ta place. C'est cela la vraie mesure de l'amour de Dieu. Son silence n'indique pas son manque d'amour. Mais alors Dieu se préoccupe-t-il de nous Voici notre dernier élément de réponse. Dernier chapitre, chapitre 31, verset 35. Et 36. Oh, qui me fera trouver quelqu'un pour m'écouter. Voilà mon dernier signe. Que le Tout-Puissant me réponde. La plainte qui est écrite par mon adversaire, ne la porterai-je pas sur mon épaule? Ne la nourrirai-je pas sur moi comme une couronne? Le titre de mon dernier point. Et si Dieu ne se préoccupait pas de moi, après tout. Job plaide. Dans le chapitre 31, l'entièreté des versets qui précèdent ce qu'on vient de lire, Job plaide. Si, 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 si. Euh, Je n'ai pas le temps ce matin de faire avec vous un cours des contextes sociaux, historiques, des coutumes euh, du Proche-Orient ancien, mais sachez ceci, lorsque nous faisions ce type de déclaration comme Job le fait, c'était un ultimatum qui était adressé. Si Dieu se permettait de ne pas répondre à Job, c'est qu'il déclarait que Job avait gagné, que Job avait raison. Job demande à Dieu, si j'ai péché contre toi comme mes amis le disaient, ces amis insensibles qui n'ont pas su prendre soin de celui qui souffre. Mais peut-être que ça c'est un autre message. Comment prends-tu soin de ceux qui souffrent autour de toi Mais bref, je ne m'écarterai pas trop. Job dit si je suis coupable de ce qu'on dit que je suis coupable, prouve-le-moi. Sinon tais-toi à jamais. C'est ce que Job dit. Et ma question, est si Dieu ne se préoccupait pas de nous après tout Quelle est la gloire Quel est le but <laughs> Je me suis devancé. Quel est le but ultime de Dieu Dieu ne se soucie pas de toi et moi, cher ami. Peut-être que ça te fait mal à entendre ce matin, mais je me devais d'être vrai. Je me devais de, de, de me suivre, de me fier à la véracité de la parole. Dieu ne se préoccupe pas de nous. Il se préoccupe de sa gloire. Il se préoccupe de sa gloire. Voici ce qui est écrit dans un livre qui s'intitule ⁇ Nouveau catéchisme pour la cité ⁇ Comment et pourquoi Dieu nous a-t-il créés Dieu nous a créés hommes et femmes à son image pour que nous le connaissions, l'aimions, vivions avec lui et le glorifions. Il est juste que nous, qui avons été créés par Dieu, vivions pour... Sa gloire. Voici ce qu'un individu euh, du 19e siècle dira. La gloire de Dieu est la première chose à laquelle les enfants de Dieu devraient aspirer. C'est l'objet de l'une des prières de notre Seigneur. Père, glorifie ton nom. C'est la raison pour laquelle le monde fut créé. C'est la finalité pour laquelle les saints sont appelés et régénérés. C'est ce que nous devrions rechercher avant toute autre chose. Quand toute chose, Dieu soit glorifié. 1 Pierre 4, 11. Tout ce qui nous permet de glorifier Dieu est un talent. Nos dons, notre influence, notre argent, notre savoir, notre santé, notre force, notre temps, notre, nos sens, notre raison, notre intelligence, notre mémoire, nos affections, nos privilèges en tant que membre de l'Église du Christ, nos avantages en tant que détenteurs de la Bible, tout, tout sont des talents. Et d'où proviennent toutes ces choses? Quelle main nous les a accordées? Pourquoi sommes-nous ce que nous sommes? Pourquoi ne sommes-nous pas les petits vers qui rampent sur le sol? Il n'existe qu'une seule réponse à toutes ces questions. Tout ce que nous avons reçu, Dieu nous l'a prêté. Nous sommes les intendants de Dieu. Nous sommes ses débiteurs. Que cette pensée s'enracine profondément dans nos cœurs. Le problème, trop souvent, c'est que nous avons un problème théologique. Nous préférons cracher sur Dieu que de nous regarder dans le miroir. C'est peut-être cru pour toi ce matin, mais c'est la vérité. Job a préféré défier Dieu que de nier son intégrité. Parce qu'au chapitre 31, et le temps avance à vive allure, mais au chapitre 31, il dira que si j'ai marché dans la fausseté, si mon pied s'est hâté vers la ruse, que Dieu me pèse dans des balances justes et qu'il reconnaisse mon intégrité. Job va plaider, « Je suis juste, j'ai rien fait. » Mais Job oublie que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romain. Il est vrai que dans le contexte présent, Job n'avait rien fait proprement dit. Certes, nous sommes tous pécheurs et méritons la mort. Mais vous savez, vous, la vérité. que parce que Dieu se préoccupe tellement de sa gloire qu'il a choisi de nous y faire participer. Rappelez-vous le verset 9 du chapitre 1er, le verset 8 également, et je lis pour vous. Rappelez-vous, lorsque Dieu parle avec l'accusateur, le Satan, il dira ceci. As-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur Job il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Dieu est fier de toi et de moi qui persévérons sur le chemin étroit de la vie. Comment devons-nous comprendre alors ce que nous lisons ce matin Il nous faut comprendre que nous sommes des êtres limités. Nous sommes des êtres limités. C'est comme ce puritain qui a parlé que Dieu soit béni pour le marteau. La lime et la fournaise et A.W. 3e a repris cela en disant le marteau est un outil utile mais le clou s'il avait des sentiments et de l'intelligence pourrait présenter un autre aspect de l'histoire en effet le clou ne connaît le marteau que comme un adversaire un ennemi brutal et sans pitié qui ne vit que pour le soumettre le frapper hors de vue et le clouer sur place c'est ainsi que le clou voit le marteau et il est juste sauf pour une chose le clou oublie que le marteau et lui sont tous deux serviteurs du même ouvrier que le clou donc se rappelle seulement que le marteau est tenu par l'ouvrier et tout, tout ressentiment à son égard disparaîtra. Le charpentier décide de la tête qui sera battue ensuite et du marteau qui sera utilisé pour le faire. C'est son droit souverain. Lorsque le clou se sera soumis à la volonté de l'ouvrier et de son droit souverain, il aura un petit aperçu de ses plans bienveillants pour son avenir. Ainsi, il cédera au marteau sans se plaindre. Un ami à moi m'a déjà dit, tu sais, dans la vie, il te faut du vécu pour avoir un témoignage. Souvent, nos souffrances et nos douleurs ne peuvent que pointer à la réponse. Et Jésus est cette réponse. Isaïe 53 nous en parle longuement du serviteur souffrant. Jésus est la réponse. Alors que Job dit avoir goûté à la main de Dieu, la parole nous dit que la main de Dieu a écrasé Jésus. Jésus a été cloué pour nos meurtrissures. Comprends-tu donc à quel point... Jésus veut t'aider ce matin, non seulement dans la situation présente que tu vis, mais il se soucie, il se préoccupe précisément de ton quotidien. Il se préoccupe des relations qui, qui ne fonctionnent plus dans ta vie. Il se préoccupe de tes choix de carrière. Il se préoccupe de la personne que tu épouseras. Il se préoccupe de toi qui veux mettre fin à ton mariage. Il se préoccupe de toi qui veux tout abandonner. Il se préoccupe de toi qui a des pensées suicidaires. Alors que nous, nous approchons la dépression saisonnière, Jésus se préoccupe de toi. Jésus est la réponse car Barth dira c'est le cœur de Dieu lui-même qui a souffert à la croix Une écrivaine du nom d'Amy Orr qui a écrit un livre sur la souffrance avait ceci à dire au sujet de la personne de Jésus. Elle répond donc à la question pourquoi Jésus est la réponse dans nos souffrances en disant que depuis que le monde est monde depuis les, les divinités gréco-romaines tout Dieu toute religion, tout mouvement n'a jamais prêché au sujet de la souffrance. Pour le Bouddha, nous voyons la souffrance comme étant le dukkha, comme quelque chose qui doit être évité. Il faut tuer les désirs en nous, c'est ce qui produit la souffrance. Pour l'hindouisme, la souffrance est question de karma, c'est un principe rétributif, un principe de rétribution. Comme les amis, certains des amis de Job semblaient présenter Pour l'islam, la souffrance c'est un signe et un gage de faiblesse. Depuis que le monde est monde, la souffrance est mal vue. Depuis que le monde est monde, l'instinct est d'éviter la souffrance à tout prix. Mais pour le chrétien mature, pour le disciple de Jésus, lentement mais sûrement, il accepte la souffrance et il en vient à l'accueillir, sachant que le serviteur souffrant l'a précédé. Ainsi, il développe son intimité avec Dieu. Hmm. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit que lorsque nous souffrons, ces souffrances sont même utilisées pour être des témoignages et des soutiens dans la vie d'autrui. Jésus est la réponse. Allons, en conclusion, que devons-nous retenir de tout ce message Dieu se préoccupe-t-il de moi ce matin la préoccupation première de Dieu est, la, est sa gloire, sa gloire seule, à laquelle, dans son amour ineffable, il veut nous faire participer en tant que témoins bien-aimés. Il ne s'agit pas de ta moralité, il ne s'agit pas de ton légalisme. Il s'agit de l'œuvre et de la personne de Jésus. Voici ce qu'un autre auteur a écrit. Dieu permet parfois aux saints, en parlant à ses enfants, de, en parlant de ses enfants, de tomber dans une situation où il semble les avoir complètement abandonnés et ne plus les aimer. Ceci n'est qu'une apparence. Le cœur de Dieu est, si je puis m'exprimer ainsi, immuablement, sans relâche, fier de ses enfants. Mais une grande partie de la sagesse du livre de Job consiste à nous avertir à l'avance qu'il y aura des moments où nous nous demanderons quelle preuve concrète ai-je que Dieu m'aime vraiment. Je semble traiter mes propres enfants mieux que Dieu ne me traite lui-même. Tout comme les discours des amis de Job nous apprennent à nous méfier de notre tendance à blâmer, les discours de Job, eux, nous empêchent de faire des hypothèses rapides sur le cœur de Dieu à notre égard dans la souffrance. Et il y a tant de choses que nous ne comprenons pas, tant de facteurs qui influent sur nos vies et que nous ne pouvons saisir. Notre vie n'est pas une montagne. La théologie de Job, c'était de croire que parce qu'il était béni, ça voulait dire qu'il menait une vie juste. Nous comprenons nous ce matin que notre vie sera parsemée de vallées de montagnes de verts pâturages ainsi nous terminerons en prière ce matin mais faites d'abord faisons d'abord cette bénédiction béni soit le dieu et père de notre seigneur jésus-christ le père compatissant et le dieu de toute consolation lui qui vous console dans toutes vos afflictions, afin que pour, par la consolation que vous recevez vous-même de la part de Dieu, vous puissiez consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Prions. Seigneur Jésus, nos mots sont bien faibles à nous tous qui souffrons ce matin, mais nous sommes encouragés de savoir que ton Église est un hôpital qui accueille les malades et les dents deuil. Non seulement un hôpital, mais... Ton Église est un incubateur qui donne vie et qui, qui maintient la vie. Alors Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit qui œuvre en nous, fais-nous connaître la profondeur, la largeur, la longueur et la hauteur de ton amour. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Si tu veux en savoir plus sur Jésus ou sur l'église, je t'invite à nous écrire à info-commercial-église-le-portail.com et un membre de notre personnel te contactera dans les plus brefs délais. Et cette invitation est aussi valable à toi qui vis des défis, des souffrances ou bien qui a une requête quelconque. N'hésite pas à nous écrire, on va prendre le temps qu'il faut avec toi. Et en terminant, je vous dis merci. Merci de votre soutien. Merci de votre soutien dans l'œuvre de Jésus. Elle continue de sauver et de transformer des vies encore aujourd'hui. Votre soutien est important et contribue à notre ministère qui est d'aider tout le monde à découvrir comment tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez faire directement un don via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don avec un S à commercialéglise au nom de toute l'équipe, passez une belle semaine.